Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui. Je vous parle du film L'homme invisible ou en anglais c'est The Invisible Man. Ici c'est un long métrage en combo 4K et Blu-ray. C'est distribué par Universal et ça met en vedette Elizabeth Moss dans le rôle titre quoi. Donc un long métrage, un suspense dans lequel une femme quitte son ex-conjoint qui est violent. Il va arriver un drame, cet homme-là va disparaître. Mais la femme ne pense qu'il n'a pas vraiment disparu puisqu'il semble rôder autour et en fait qu'il est invisible aussi pour les autres qui ne croient pas justement la femme que son ex rôde toujours autour d'elle. Donc ici, un format, on peut voir sur le devant de la pochette, donc l'actrice principale et l'homme invisible, on pourrait dire, avec sa main. À l'arrière, on a quelques images du long métrage. Voilà, un film qui a eu quand même un bon buzz lorsqu'il est sorti au cinéma, beaucoup d'intérêt par rapport les cinéphiles. Donc, on peut se le procurer ici en magasin. Je ne me souviens plus si je l'ai dit. À partir du 26 mai 2020, donc il va être dans les magasins. Voilà. Je vais le déballer. Je vais vous montrer l'intérieur de la pochette. Voilà. Donc, au niveau de la pochette, le devant est sensiblement identique. Mais c'est un petit peu différent à l'arrière. Les images sont un peu plus petites sur la pochette en plastique comparativement au boîtier en carton. Voilà. Sinon, on retrouve des pistes sonores en anglais, en français. Si le long métrage est une durée... Est-ce qu'on le voit? Attendez, oui, je vais le voir ici. De 2h04. L'image est au format 2:35, je crois bien. C'est tellement écrit petit. Je crois que c'est ça, ouais. 2:35. Au niveau des suppléments, on retrouve des scènes supprimées. On a également un témoignage d'Elizabeth. On a également l'histoire d'un réalisateur avec Lee Whannell. On a l'information sur les personnages. On a également une featurette qui s'appelle Terreur intemporelle, qui est un aperçu en coulisses et de la manière que le réalisateur et le scénariste ont réimaginé le personnage emblématique. On a également un commentaire du scénariste et réalisateur Lee Whannell. Donc ça, c'est au niveau des suppléments. On retrouve évidemment une copie Blu-ray, comme je l'ai dit, une copie digitale également qui est incluse. Donc je vais vous montrer l'intérieur. On a également ici un feuillet publicitaire avec différents films distribués par Universal. À l'arrière, c'est le code de la copie numérique. Et sinon, on a ici le film en 4K d'un côté et de l'autre côté, c'est le disque en Blu-ray. Voilà. Donc, si vous aimez les suspenses, l'histoire aussi de l'homme invisible, je vous invite à vous procurer justement The Invisible Man en format ici 4K et en combo 4K et Blu-ray. On peut se le procurer en magasin à partir du 26 mai 2020. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement ce que vous aimez, un, le personnage de l'homme invisible et deux aussi, les suspenses de ce genre-là. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!